bosser comme un feu de brousse. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville? Il devrait pas plutôt faire ça au pôle Nord? Norman prend très à cœur le souffle du diable, seul omnubile depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes, mais il s'en fiche. Si ça venait à s'apprendre, il peut dire adieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection. Il serait jugé à la haie pour crime de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça? Vous êtes tout aussi responsable que Norman. Hey, effectivement. Mais les actes de Lee m'ont fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Biderman. Vous êtes le seul à vouloir faire ce qui est juste. Je vous en prie, protégez cette ville contre nos erreurs. Il m'a semé. Il y a une attaque en cours. Rendez-vous dans le nord d'Houston. Terminé. Yori, je voulais vous demander, que pense l'équipe de SAP de notre relation particulière? Ah, oh, ils adorent. Ah ouais, tant que ça. Disons que s'ils apprenaient que je vous donne toutes ces infos, au mieux, je m'en tirerais avec une cellule sur l'île de Riker. Je veux pas vous mettre en danger. Si c'est plus simple pour vous d'arrêter toute communication... Il n'en est pas question. La ville a plus que jamais besoin de nous deux. Sable peut bien aller se faire voir. J'en ai vu d'autres. C'est pour ça que vous êtes la meilleure, Yori. Rien ne vous affecte. Ça, c'est vrai. Oh non, plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ? D'après Standish, les démons veulent...